Wow! De pêche, bah les loutres, elles sont dressées pour ramener le poisson vers les filets. D'accord? Vous pouvez essayer avec des petites cendrées comme ça, ça ne marchera pas. C'est chacun pour soi. Si je rabats le poisson, c'est pour moi et je le mange. D'accord? Donc ne confondez pas les deux. La petite, non, elle mange. C'est pas la peine d'essayer. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est du training médical. Alors, ça existe beaucoup dans les parcs zoo aujourd'hui. Je vous ai dit, ce sont des pitbulls, donc on n'y met pas les doigts. Par contre, quand on leur apprend à se mettre dans certaines positions, à montrer certaines parties de leur corps, on peut leur apprendre à nous montrer des zones qui sont plus fragiles. Les palmures, par exemple, le bout du museau, le ventre, ce qu'on n'arrive pas à voir forcément. Donc ce training va leur apprendre à prendre des positions particulières sur un signal, et au bout duquel elles auront une réponse. Donc ça se fait beaucoup chez nos animaux. Chez les loutres en particulier, elles sont très intelligentes, hein, ça n'empêche que voilà, elles arrivent à apprendre et à retenir sur tout ce qu'on leur apprend. Alors ces petites loutres sont très joueuses, très joueuses. Ça reste des loutres qui de leur vie. Hein. Elles vivent en groupes familiaux, donc elles vont jouer ensemble tout au long de la journée, quel que soit l'âge et le sexe. D'accord? Les petits vont être intégrés très tôt dans les jeux de la famille et les parents vont jouer avec eux jusqu'au bout. D'accord? Ça se joue. Donc ce sont des groupes familiaux qui sont vraiment très soudés. En fait, on va avoir la femelle qui va dominer, hein, la mère qui va dominer le groupe, le père ensuite, et après selon l'âge. Voilà. Donc tellement soudés qu'ils vont faire front dès qu'il y aura une menace. D'accord? Ils communiquent énormément par cri, vous entendez des petits cris, donc ils ont chaque cri. Chaque cri a une signification. Donc quand on a un prédateur, quand ils ont un problème, ils vont tous faire front, même les plus petits. D'accord? Ils apprennent à vivre en groupe comme ça dès leur plus jeune âge. Ce n'est que une fois la maturité sexuelle acquise qu'ils vont changer de groupe et créer leur propre groupe. Donc en milieu naturel, ils peuvent atteindre 12 à 15 individus. Nous, on en a 7. Alors en parc, la reproduction, elle est contrôlée. Sinon, on arriverait très vite à des groupes de 12 ou 15, justement, avec des enfants qui ne sont pas forcément adaptés à cette taille de groupe familial. Donc la reproduction est contrôlée. Je vous ai dit, on a eu des jeunes en juillet l'année dernière. On a eu des jeunes en janvier. Rock and roll.